Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Je vous propose aujourd'hui la recette d'un coquelet à l'ail fumé et aux pommes de terre. Dans le ventre de mon coquelet, je répartis mes quartiers de citron. Mes feuilles de sauge séchées, une partie du moins, ainsi que du thym. Si j'en ai des fraîches, je peux les glisser sous la peau de mon coquelet en la décollant tout simplement avec les doigts. Je parsème de thym, d'herbe de Provence. Je dispose ensuite mon ail fumé coupé en deux dans le fond de mon plat. Les rondelles de pommes de terre que j'ai lavées mais à qui j'ai gardé la peau. J'arrose le tout d'un filet d'huile d'olive. Je sale, je poivre et je place au four à 180 degrés en chaleur tournante au moins une demi-heure. Avec cette recette, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.